Qui a été rendu public, si j'ose dire, par Maître Brouza, qui représente Réaction 19. Il monte des collectifs pour défendre la population, notamment pour les masques, contre l'obligation vaccinale. Et voilà ce qu'il dit. Un rapport scientifique traduit en français, établi par le docteur Robert Jung, affirme que les quatre vaccins commercialisés contiennent une quantité d'éléments toxiques. Ils regroupent à eux seuls un agrégat de nanoparticules à partir de cellules animales et fœtales avortées, comprenant de l'oxyde de graphène, des nanoparticules RGO à base de carbone, des parasites et des matières létales qui provoquent notamment le sida. Il y a aussi des nanoparticules de carbone, de chrome, d'azote, du chlorure, du soufre, de l'aluminium hautement toxique dans ces vaccins. Voilà pourquoi on se bat aujourd'hui pour tous les personnels qui sont et qui seront suspendus dans les jours à venir. Voilà, merci à vous. Là, le portail, il est là. Oh, les cons, ils le ferment. Oh, ça va, il est pas en déjà une faute dans la procédure.